À Ottawa, cette pieuvre, ils veulent nous prendre le fond du fleuve. Ils disent que le fond du Saint-Laurent, c'est le bien de leur gouvernement. Nous autres qu'on est dans la misère, depuis tant de générations, on sait que s'il y a une affaire, qui est à nous autres, c'est bien le fond. À part de ça, toute cette vase, où se nourrissent les homards, si elle est belle, si elle est grasse, ce n'est pas le fait du hasard. Quand on pense à toutes les bécosses, sauf peut-être celle d'Amos, qui se jette dans le Saint-Laurent, c'est pas le travail du gouvernement. Et quand on pense à nos pilotes, qui se sont donné tant de mal, pour amener ces leurs marottes, les bateaux jusqu'à Montréal, qui ont étudié le lit par cœur, où c'est que ça passe, que ça passe pas, comme un jeune marié plein d'ardeur, premier soir quand il connaît pas. Maintenant qu'ils ont découvert qu'il y a des gisements de pétrole qui dorment depuis des millénaires au fond du fleuve dans le sol, ils disent que ça leur appartient, cette bande de bons à rien qui se sont jamais gelés le cul pour venir pêcher de la morue. Mais une chance que Tijan est là, ça va pas se passer comme ça. Les fonds, ça le connaît Antiti, lui qui gère ceux du parti. Qu'ils viennent nous prendre le Saint-Laurent, on n'attend rien que son sapremant pour les jeter au fond de l'eau, en souvenir de Papineau, en souvenir de Papineau.